Messieurs, dames, bonsoir. Mewen, bonsoir. Et bonjour, concret. Bonsoir à tous. Comment ça va? J'ai dit un mot, j'ai dit à toutes. À tous, toi? Ouais, je veux dire à toutes, à tous. Écoutez, il n'y a pas de jaloux, ça en même temps. Je crois que c'est dit maintenant, le à tous. C'est justement pour l'inclusion. On ne dit plus bonjour à tous, on dit bonjour à tous. Voilà. Donc, les champis. On va aller remettre les quêtes des champis. Ils sont vraiment trop beaux. À part celui qu'on a tué là, Glut. Il était vraiment moche, Glut. Et puis on va leur parler un petit peu. Hein. Hop là. Voir ce qu'ils nous veulent. Mais je vais d'abord rendre la quête là parce qu'on a tué Nir. C'est vrai qu'on a tué Nir. Et on va aller prendre le loot. Trop bien. Après le loot, on pourra peut-être parler un petit peu. Tu vois, il est pas bien lui là. Qui? Tu l'as. Don't. Soigner la gnome empoisonnée. Un antidote est vite. Qui vous a fait ça? J'ai de l'antidote, visiblement. Lui donner l'antidote. Voici l'antidote. Bah. Vas-y. Tout le monde approuve là. Bah, carrément. Sauf Mewen. Gay l'écarlate approuve. Bah moi j'approuve aussi, mais ouais, moi je compte pas. Ah, ma petite. Mais ils voulaient pas les buter, eux. Non, c'est pas les Dwergers, c'est les gnomes. C'est différent. C'est pas la même chose, ça. Bah ouais. J'aurais peut-être dû le faire avant, sinon elle aurait pu nous aider. Donc ouais, si jamais, comment on a fait? Si vous avez un parchemin de résurrection, vous pouvez choisir l'allié et le raise ailleurs. On a gâché un parchemin de résurrection, en effet, hier, en essayant de raise concrète qui était dans la lave. Bah ouais, j'étais dans la lave. Hein. Reposez-vous, dites-moi ce que je peux faire. Bah oui. Les autres? Je crois qu'on a tué les autres. Ils sont tous morts en fait. Ouais. Bah on va bluffer, on va bluffer, on va dire que c'est. Ils sont morts de vieillesse, mais jeunes. Mais jeunes. Thank you. Bon, je dis que je ferai tout ce que je peux en mon pouvoir, mais c'est déjà trop tard, je le sais. Il y a peut-être d'autres, hein. Oh, bien, des bottes. Dwerger ass. Je crois que je peux lui parler parce que c'est fini. Non. Ça tombe, c'est pas eux, ça tombe, c'est d'autres hein, qu'on attends, devait. Parlons au souverain. Attends, j'ai eu les bottes de rapidité, ce sera peut-être pour toi ça. Peacebringer, c'est bien ça. Très bien. L'ameneur de peace. Je vous ai apporté la tête de Nier. Tada! Chouette combat d'ailleurs, ouais. Contenir. Enfin, ça n'a pas été conclu du coup. Mais... Life Chanter, c'est pas plutôt Life Singer? Bah ouais, c'est bizarre. Ils parlent anglais comme oh, moi. Oh, regarde, ils font des petites danses, la danse des sports. Ça a l'air toxique. Ça a carrément l'air hyper toxique. Ah bon? Des sports violettes comme ça? Ah, il va nous mettre un buff. Genre un truc permanent? Ouf! Qu'est-ce qu'on a comme buff permanent là? Voix du cercle, c'est une amulette. Partout où vous le portez, le cercle de Myconide le suit. Voix du cercle. J'ai quand même. Tu veux la mettre? Ouais. Pour tester? Ouais. Attendez, je vais la donner à Mewen. J'ai l'impression que c'est le genre d'un truc qui nous met un show tout le temps, là. Tu me l'as envoyé? Je te l'ai envoyé.
je pouvais communiquer avec les morts. Du coup, je peux la mettre à qui la communication avec les morts? À Gail. Gail, il a quoi? Il a rêve de ses lunés. Ça permet de faire un soin, rêve de ses lunés. Ouais, c'est mais on l'utilise quand même pas, donc... Bah si, je l'ai utilisé une fois. Bon. Time to press ahead. Je vais les mettre pour les morts, alors. Voilà. Ok, on fait quoi? Bah essaye de voir ce que ça fait, le sort. Normalement, tu vas dans ta liste de sorts. Je sais pas si tu peux me rejoindre. Pas de cible. Seems the shrooms are letting in more people every day. You see a fella on his own on your way in. Dwarf. Qu'est-ce que t'as fait? Il faut vraiment parler à tout le monde. Hein. Qu'est-ce que t'as fait? Je parlais à quelqu'un au hasard et ça me quittait à jour. Ouais, j'ai vu. Et moi, un Baylen. Je ne l'ai pas vu, Baylen. Ah, j'ai plus deux au test de persuasion. Quand je fais ça, quand je fais la voix du cercle. Ah, c'est bien. T'as plus de persuasion. Ouais. Quel plus de persuasion dans le groupe? On va le mettre dessus. C'est moi, je crois. Eh ben, mets-le. Right now. Waiting for that idiot Balin's return. Unless you've seen him, we don't have much to discuss. Je l'ai pas vu, je suis désolé. Never mind. C'est qui elle? Knock yourself out. Bah il faut retrouver quelqu'un qui est parti aux champignons. Faut se méfier avec les champignons quand on connaît pas. Hein. Quand on connaît pas. Tu m'étonnes. Ah c'est une vendeuse. Qu'est-ce qu'elle a intéressant? Chemise de maille plus 2. Elle a peut-être des trucs pour toi, faudrait que tu regardes. Hein. Fléau d'armes. Tu vois, il y a parfois des armures légères, plus 2, plus 1. Très bien. En fait, j'allais ici, moi, regarde. T'es là? Il est beau son buffle. Mais t'es où? Ah oui, t'es là, regarde. Normalement, on avait tout le loot ici. C'est qui ça? Je sais pas, mais je prends tout. Il y avait quoi dedans? Un livre. Rituel nuptiaux des flumes. T'es où là? Ah, oh, t'es là. Allez, ok. Investigation. Examinez le livre nature. Vous rappelez de ce que vous avez sur ce titre nature. Moins 1, je dois faire 15. Oh non, mais moi j'ai plein en nature, mec. Oh, c'est à l'intelligence. Oh. Oh le. Pour relancer les dés, on essaye. On doit faire 16 ou plus. Vente. Allez. Vous avez déjà entendu parler de celui-ci? Ça valait la peine, hein, ça valait la peine. Ouh, c'était une illusion. Oh, bien joué. Le secret permettant de forger l'adamantium. Adamanti. Giorgio Armani. Ah bah cool. Je suis maintenant forgé de l'adamantium. J'espère que t'es content. On a de la guette, des ailes. Ah, de l'écorce de... Du spat des gouffres. J'en ai ramassé plein. Métal gelé, un doigt de géant. Attends, j'ai eu de l'écorce un de quoi? Un ongle d'inox. Ah ouais, mais l'inventaire. Récent. L'écorce de je sais pas quoi. T'as fouillé le reste? Non. Ah parce qu'il y a... parchemin, ça je prends. Il y a pas mal de choses il me semble quand même ici par terre, non? Des sacs à dos. C'est tout ce qu'ils nous donnent. Je suis quand même un peu triste, pas toi? Non, ça va. C'est juste ça? La récompense Bon. Alors, il y a pas mal de choses à faire par ici. Et notamment, on devra parler un peu à tout le monde. Dans ce camp-ci.
Mais ce que je te propose avant, ou alors... Attends, ce que je regarde la map, il y a vraiment beaucoup de choses. Hein. Soit on continue ici, il faut retrouver le Biden pour les champignons. Biden ? Comme le président américain ? Biden. Soit on retourne là, on était à Nier, parce qu'il y avait pas mal de choses là-bas. Oh. Qu'est-ce que tu préfères ? Bah Hélène, on va... j'ai envie d'explorer un peu. Les champignons ? Bah écoutez, on fera du coup Nier plus tard. Là, on va aller à la cueillette aux champignons. Par où on va ? Attends, parce qu'il faut se repérer là maintenant, ça doit être par là. J'imagine, j'en ai aucune idée. Ah, j'arrive pas à me repérer sur cette map-là. Tu vois, on doit aller là. Par où on peut passer pour aller là-bas ? À ton avis, on peut monter là, Nelson? Non, mais oui, mais bien joué. Ah, j'ai le chat qui a ouvert mon pad numérique là. Ah, mais oui. J'ai les deux chats, je vois. Je te dis, les chats quand ils marchent sur le clavier, ils appuient sur une touche, ils remettent les drivers à jour, ils font des captures d'écran, ils font. Ah là, je vois rien en plus là, Lucky. Comment ils ont fait ça, j'en ai aucune idée. Donc voilà, donc on est reparti. J'ai mis un point, je sais pas trop où. Tu peux me suivre peut-être. Je sais pas comment. Est-ce que t'es parti ? Okay. Où je me suis mis. Parce que je sais pas trop comment on va par là. Parce qu'il me semble que là on avait déjà été et qu'en fait ça menait à rien, mais ça a l'air d'être quand même par là. Biden. Ah, trou profond. Oula, attends. Il y a un trou profond. Y a-t-il quelqu'un par ici ? T'es vraiment sérieux, t'as vraiment dit ça ? Ouh. Il y a quelqu'un. On y va ? Ouais. J'ai fait quoi là, attends ? Eh oh. Eh oh. On s'est pas creusé ça, je sais rien faire. Tu fais quoi tu... Pourquoi t'as un but, Black Moon? Je me suis demandé quand est-ce qu'il allait s'en rendre compte. Fais bien hein. Il y a eu un truc là, il y a une ouais, sauvegarde. Mais on a tous perdu, c'est ça? Il y a une main tranchée. Ah, oh, j'ai ramassé une main tranchée. Oh. Ah, oula, oula. Attends, écarte-toi. Il y a une fleur de sureau là. On ne devait pas prendre ça pour une quête. Si, carrément. Ça a l'air d'être ça, le sureau. Mais j'ai une fleur. Où ça? C'est où? Attends, fais d'abord ce que tu voulais faire. Bah, tirer sur. Ah merde, faut que je me dé. Je m'aime bien en buffle. Ah, mais c'était toi? Ouais, sérieusement. Ah non, je crois que t'en avais pris un. Hein. Ignis. Ah bah attends, t'as fait quoi? Gagner Carla a gagné de l'inspiration. J'ai juste tapé sur des champis. Ça fait tout péter, mais je pense que c'est mieux. Ouais bah écoute, Carla qu'elle aime bien. Ignis. T'as laissé la main par terre. Ah bon? Non, j'ai repris le bras coupé. Ah non, j'ai ramassé la main. Toi t'as ramassé le bras. Voilà. Il y a une trompette brutacienne. Tu vois ici, fleur de sureau. Attends, vapeur mec, toxique. Mais c'était pas fini. Pourquoi t'avances? Où est-ce que t'as la fleur de sureau? Mais c'est quoi toutes ces vapeurs toxiques, quoi? Mais attends, mais il y en a encore plein. Attends deux secondes. Et là, il y a un minotaure. Là, ouais, on est pas bien, là. Mais t'es fou, toi. Faut qu'on se repose, là. Ouais, on va faire un petit repos. Voilà. Là, il n'y a plus. Ma question, juste attendre un petit peu, quoi. Attends, je regarde un petit peu par là. Chant d'antimagie de fleurs de susurro. Ah, mais le susurro, en fait, c'est l'arbre. C'est tout l'arbre, là. L'arbre avec les feuilles bleues. Ah, bah bien, on va trouver pour une racine. Il y a de la fleur en bas, là. On va y aller chercher. Oh, c'est quoi, ça? Ouais, c'est un minotaure, donc... Non, c'est une horreur crochue. C'est pas du tout un minotaure. Votre tour. Alors, regarde ce que j'ai eu, moi, c'est trop bien, parce que j'ai... Ah non, c'est... C'est la machine. Évidemment raté.
Niveau 4, 75 points. Il commence à être... à être balèze, hein, le... les choses, là. Attends, parce que j'avais... Ah, je peux pas. Je peux pas, évidemment. Ça fait un peu des bruits de... dans Star Wars, là. Avec des les bruits modules. De Star Wars. Ouais, c'est avec les modules de course. Avec le petit Anakin. On dirait le bruit des modules. Échec critique. Comment c'est possible? Ressources insuffisantes pour l'action. Et voilà, c'est à son tour. Appel de renfort. Ah mince. Heureusement, il n'y a personne. 65%. Raté, c'était sûr. 12. Allez, pas si mal. Tormentum. C'est bien ça. Comment ça, moins 5 PV si j'y descends là? Ils sont sérieux? Ouais, c'est trop, hein. Mais descends par l'autre côté aussi. Pourquoi tu veux descendre par le gros côté? Bah, je descends par le côté, moi je lui mets. Je lui mets des dégâts, quoi. Mais des dégâts au corps à corps, hein, mieux en plus. Là, tu fais 5, tu pourrais faire carrément plus. Ouais, mais carrément plus, c'est pas grave parce que regarde. C'était tellement sûr. Ça a raté d'ailleurs son appel de renfort. Ouais. Tadam. Il y avait quoi? Un crochet. Très bien. Bah vas-y, le. Faut qu'on fasse un court repos là. Oh papa, faut qu'on aille se reposer. Non, non, attends, parce que là il y a un truc rouge là. Sauvegarde rapide, donc en fait, quand tu fais ceci, il y a quelqu'un qui nous voit, j'ai l'impression. De toute façon, il y a la fleur de Suro là-bas. Je vais la ramasser. C'est Suro. Ah, voilà, merde. Initiative, mais c'est quoi qui m'attaque là? Ah ouais, si, sur. Sur l'arbre? Voilà, sur l'arbre, ça va être ça. Galère à avancer. J'en même pas où? Où ça? Sur la branche. Où ça? Je vois rien. Je ne vois rien! C'est où? Non mais c'est mal foutu. Oh putain, c'est mal foutu. Regarde-moi ça. Ouais, là, c'est hyper mal foutu. Je le vois en hyper gros plan quoi. Regarde mon écran. Ouais, je sais bien. Je le vois comme ça quoi. Et là par contre, je le vois bien. C'est trop bizarre. Pareil de mon côté, c'est un peu mal foutu là. Mais lui, il faut le tuer parce que. Parce que je sais pas, je dis ça, j'aurais pu dire autre chose, quoi. On va aller fermer. Est-ce que ça va marcher les renforts ici? Ça va être autour de Mewen. Ouais. Ah, si, ils sont deux là. Et lui, il appelle aussi des renforts. Allez. Est-ce que je peux sauter là? Trop bien. T'en as un, si pas par terre. Ah, tu n'es pas obligé, t'en avais un en bas. Mais c'est stylé, hein, regarde. Il y a des cris dehors, incroyable. Non, ça va être compliqué pour avancer en fait. Oh non. Par contre, on n'a pas de son. Mewen n'a pas mis son son. Mewen n'a pas mis le son de son jeu. Bon, c'est pas grave. Ah oui, mince. Attendez. Excusez-moi. Je disais bien que c'était calme. Pardon. Je disais bien. Encore une fois, on n'est pas prêt, hein, comme d'hab. Hein. Mais si. C'est pas grave, reste là. Regarde, t'en as un là-bas. Ah oui. Au pire. Bon, c'est un peu tard, mais tu pourras faire ça. Ah, il a trois même. Il y en a un derrière. Bah, très bien, ils sont trois. Oh là là. Ça s'annonce un combat. Mon amour, ma joie. Mais quoi? Il y en a un quatrième là. Ils sont beaucoup d'ailleurs là. C'est Filro. Ah, ils sont même vraiment beaucoup. On a je suis hypnotisé, sort. Moi, je peux je rien faire. Dit qu'il fallait qu'on dorme absolument là. Bah, absolument, absolument, ça va ouais. Quoi. Alors, moi, je peux... Ils avaient du loot ou pas? Il avait quoi sur lui? Un crochet.
Vraiment rien. Tu peux le balancer dans le vide. Bah c'est ce que je me dis, ouais. Ah, trop lourd pour pouvoir être bousculé. Ouais, bien. En même temps, t'imagines bousculer un truc comme ça. Ouais, j'avoue. C'est bien, ça nous fera un petit combat là pour trouver après. Carlac, tu crois qu'elle va, qu'elle peut foutre le feu à tout l'arbre? Ouais, ouais, ouais. Par contre, je regarde parce que eux, ils peuvent me pousser à mon avis. Ouais, ouais. Clairement. Allez, 4 points de vie. Il a 4 points de vie là. Ouais. Parfait. Ah, on a fait juste un crochet, mais c'est une potion. C'est pour pouvoir faire des potions, donc c'est peut-être pas si mal. Ils ont pas l'air très forts, quoi. Parce que j'ai encore le chat qui passe là. Attends, parce que là il vient de me renverser. Hop là. Hop là. Pas si mal, pas si mal. Non, il faut faire le petit gnome là. Filro, qu'est-ce qu'il va nous faire, Filro? Image miroir. Très bien. Ça sert à rien parce que je le vois quand même. Ouais, mais peut-être que ça fait 4 fois des dégâts. Je sais pas. Ou peut-être que ces trucs prennent des dégâts à la place. Filro l'oublier. Pourquoi est-ce qu'il est pas avec nous? Bah, je sais pas. Il a choisi le mauvais camp comme un bon de félin. C'est un félin? C'était bizarre son bon genre. Et pas que tu peux aussi mettre tes... Comment on appelle ça? Oui, mes images. Projection, Rajav. Bah, ceux qui peuvent t'aider là. Tout à fait. T'as aussi ton espèce de miroir, quoi. C'est quoi ça? Arme au corps à corps improvisée, c'est marrant ça. Très bien. Coup critique, bien joué. Attends, lui, je vais faire pareil. Je vais faire 80 sur lui. Ah tiens, 80% sur lui. Tout ça pour un 4. Ouais, mais 4, c'est mieux que 0. Magnifique. Hein. Tu mets des flèches spéciales, au moins? J'ai pas mis de flèche spéciale. Tu devrais. Comment tu fais, ça? Quand tu cliques dessus, t'as accès à tes carreaux, non? Ah bon? Il me semble. Je sais pas, faut que je teste. Mais je pense qu'on a des, on a des flèches, pas des carreaux. Oh non, elle est lourde. Oh. Où est-ce qu'il va, lui? Aïe, aïe, aïe. Oui, oui, oui. Attention, un Gail. Oui, oui, oui. Attaque frénétique, moi, je vais faire une ici. Hémorragie. 3d4 plus 3, 2d10. Mm-hmm. 12, sérieusement. Voilà. Un en moins. Ils ont vraiment que des cornes. Je peux sauter avec sombre machin. Fais un peu des gars. Ouais, tu m'étonnes quoi. Il descend tranquillou. Mais tranquillou, c'est bien. Mais... Et puis repasse ton tour, on attaque, t'inquiète. Après, il me dure 3 ans à lancer une flèche, toi. Échec critique. Tiens, comment je fais pour relancer mes flèches? Où est-ce qu'elles sont, mes flèches? Ah, tiens, ici. C'est quoi, sa flèche? Deal matter. Ça, fait... ça met du poison. Ah, très bien, tu vois. Cool. Ah non, c'est pas si mal. Raté. Allez. Et je vis... Et maintenant, il reste plus que Fildro. Il reste plus que Philibert. Vas-y. Oh putain, j'aurais pu me prendre une attaque d'opportunité. Mais non.
Ah mais il a peur en fait lui. Ah bah il est mort. Qu'est-ce qu'il avait à looter? Alors il avait parchemin de sommeil, bâton, simple robe, des notes gribouillées et un cristal gelé. Notes gribouillées, faut les lire, ça nous fera peut-être... Ouais, c'est ce que je voulais faire. Lire. Ces notes éparses semblent avoir été griffonnées par quelqu'un de très troublé. Protecteur, gardien de la forge d'adamantium, issu du magma. Quel pourra le détruire? Brûlant, marteau. Où? Une petite carte est dessinée en dessous, arborant de multiples croix. Les mots suivants sont griffonnés en dessous. Dourne, c'est. Vous trouvez Dourne? C'est encore à voir avec la forge d'adamantium. Et j'ai eu un cristal gelé aussi. Ce cristal est extrêmement froid au toucher. Ou la forge, ouvrir le journal pour en apprendre davantage. C'est toi ça? Combiné. Ah, je peux utiliser... Attends, combiné? Je peux le combiner avec des trucs, le cristal gelé. Incroyable. Bon, par contre, il nous fait de la racine, là, de Susuro. Comment est-ce qu'on fait? Faut couper l'arbre, tu crois, avec une... Tu te peux pas la... Si, il y a des fleurs partout, là. Faut juste ramasser les fleurs de Susuro, je pense, non? Je sais pas, c'était quoi, le journal? Hop là. Les armes de maître. En tout cas, faut aller se reposer. Nous avons trouvé un Susuro, il nous reste plus qu'à prendre un peu de son écorce. Ouais, mais comment est-ce qu'on prend de son écorce? Bah, moi, je ramasse des fleurs. Faut taper dessus, à mon avis, non? Tiens, il y a de l'écorce, là. Non, c'est bon. On l'a trouvé. Hop, ça ressemblait à quoi? Voilà. Bah, et maintenant, il nous dit quoi? Nous avons l'écorce, il ne reste plus qu'à retourner à la forge. Moi, je sais plus où c'était, mais très bien. Bah écoute, ici, il y avait un TP. Donc, on regarde un petit peu les lieux. Rien à voir avec le poisson. Il y a une gnome à moitié dévorée au-dessus. Ah bon? Je vais... Attends, on va aller voir. Attends, je fais un F5 comme dessus, parce que là, on a... On a le Susuro. C'est joli comme arbre, le Susuro. Ouais, c'est beau, hein. Voilà, il y a plein de trucs. Parchemin en triste état. Qu'est-ce que c'est? Ah ouais, il y a... Il y avait un truc de quête, là, que t'as pris. Des carottes, pommes de terre. Ça fera, ah, il y a plein de nourriture, là, si tu veux, prends. Côte de roté grillé. Hop là, bourse. Et t'as pris un truc orange, hein, donc je sais pas ce que c'était. C'est le parchemin. Note gribouillée, ça tu as lu? Alors attends, le parchemin... Parchemin en triste état. En triste état. Magma. Je ne sais pas lire. Je ne sais pas lire. C'est écrit comment en c'est, comment ça, je comprends pas. De quoi? Bah, c'est marqué en langue que je ne sais pas lire, quoi. Mais si, c'est marqué magma, machin. Ah oui, mais c'est de... Je sais pas ce que ça veut dire, moi. Oula, c'est pas moi ça. Ah. Enfin, si, c'est moi, mais je vais t'attendre parce qu'à mon avis, il y a un truc par ici. Il y a probablement un truc par là, là où je suis. Ce qui explique que j'ai eu. T'es là? Oui, je ramasse des champignons. Attends, il y a deux endroits où on peut aller. On va d'abord aller par ici. Oula, ça tremble. Oula. Passer en mode tour par tour. Qu'est-ce qui se passe? Une bullette. 100%, comment je fais? Oh là là! Bon, engagez le combat. C'est ça une bullette? Attendez, une petite bullette, moi, un truc tout mignon. Niveau 5, 125 PV, on est peut-être pas bon. Bon, il est tout seul. Ah. Après ça, il sera temps de retourner au camp et de se reposer un petit peu. Ah non, mais mec, on aurait dû faire ça déjà maintenant. Ouais, mais on va tester. Mon ours, il est mort déjà. On donne tout ce qu'on a. Il n'a plus de vie, il n'a plus de sort. Moi, j'irai au corps à corps, de toute façon. L'incantation est bloquée, comment ça? Qu'est-ce que c'est que ce délire? Oh, champ d'anti-magie de fleurs de Susuro, tout à fait. Okay, super, on est dans un champ d'anti-magie. Ah mais c'est ça en fait, merde. Bon mortel, ou ça j'aime pas ça. Ouais. Ok. Ah c'est violent. Ok.
not bad, mais c'est pas évident, hein. Ah, pas évident du tout, même, parce que là... On va crever, hein. On va probablement crever, c'est à cause du sauce. Ça, c'est à cause de son seau. Tour de Meowen. Si on a du soin, c'est peut-être le moment où tout donner. Hein. On donne tout, hein. Oh putain, ça pour ça. T'avais combien de pourcentage? Je sais pas, genre 50. Ouf. S'il n'y avait pas eu le saut mortel, je pense qu'il y avait moyen. Of course. Galisbar. Yes. Oh bien. Yes. Mmh. Et tu vas peut-être encore te retransformer, toi. Aïe aïe aïe. Un UPV, il lui reste pas tant que ça. Hein. Ça lui fait rien le feu, je crois. Merde. T'es plus de te transformer, toi. Non. Ah mince, j'ai plus de soins là. Ah si, je peux mettre un soin. Carlac. Carlac is dead. Elle est morte. Non non non. Comme ça, elle a réussi son jet d'agonie. Ouais. Tu sais mettre tout ce que t'as là. Il a plus beaucoup, hein. Un point de vie. Toujours quoi, sérieux. Oh non. Non. Et il s'est re-soigné du coup. Oh. On recommence le combat. Je suis dégoûté. On peut recommencer le combat, hein. Un point de vie. On fait qu'on recommence parce qu'il s'est soigné en plus. Il est où là? Mais il s'est barré. Ah bah oui. On se re-soigne? On va au camp avant de le faire? Bah on y était presque là finalement. Un point bah de ouais, vie. Ouais mais... On a zéro sort. S'il n'y avait pas eu le saut. On aurait pu l'avoiner. Moi je dis à un point de vie près là. Ouais c'est pas juste. Non c'est pas juste. On l'avait eu. C'est Gale, ça, qui a tout raté. C'est pas vrai. Donc tu t'avances pas trop avec Gale. Faut éviter le saut au début qui tue tout le monde. On est d'accord. Hein, donc, comment on peut faire ça? Comment on peut faire quoi? Pour éviter le saut? Comme ça. Mon chat. Ça a démarré, hein, si jamais. Quoi? Ah ouais. Mais non, mais t'es sérieux? Ah bah ça a démarré, j'ai repris la recharge où ça avait démarré. Hein. Mais non, mais mec, je suis sur l'arbre. Bah oui, mais c'est... Enfin, on a sauvegardé... Bah tu peux venir. Hein. Puis j'ai raté, là. On sait que j'ai raté. Je suis encore en combat, en plus. C'est pour ça que toi, tu peux essayer de venir. Comment ça, elle est à terre? Bon, c'est pas grave, j'ai raté ma flèche, mais... Annule la fin du tour, c'est à qui, là? Foncer. Ah ouais, mais fallait pas te mettre là. Bah si, j'étais en combat, de toute façon. Ah, mais t'es sur Carlac, là. Bah, je suis sur le truc aussi. Reste loin avec Gale, hein. Ouais. Parce que là, s'il fait son saut... C'est quoi, ça? Coup au but... Ne fais rien, t'arriveras pas à le toucher, si jamais. Ne gaspille pas tes sorts. J'ai essayé, moi ça n'a pas marché. Donc mais t'inquiète, j'ai mis mon fourchette. Ah, c'est bien ça. Laisse-moi faire ce que je veux là. Mais non, mais je pensais que t'allais peut-être essayer de mettre un sort sur la terre, mais moi ça n'a pas marché. Engagez-vous, qui disait. Voilà, et donc moi je vais lui balancer des flèches là. Raté, mais c'est pas grave. Frénésie.
Attaquer. 5, c'est pas beaucoup. Il fonce lui, c'est bien. Bon mortel, aïe aïe, entre les deux. Ah non, c'est juste sur Karlak. Ça va, c'était pas ouf. Non, c'est pas ouf, ça va. Attends, parce que je vois rien. Attends, donc chat. Avance pas trop parce que t'as un truc anti-magie. Hein. Attaque frénétique là sur machin. T'es mérité, c'est trop bien parce que je touche quoi qu'il arrive. C'est vraiment vraiment bien. On a mieux que tantôt là. Ouais, là on fait mieux que tantôt. Et en plus là il fait un bon mortel de nouveau mais... Elle est toujours pas morte, oh bien. Bien Karlak. Et là je vais aller avec mon sombre pulsation là. Même pas besoin. Tu vois, y a pas besoin de... Tenue de gorge sang. What is that? Un seau. Qu'est-ce qui se balade avec une pelle et un seau le mob? J'avoue quoi, la bulette elle a une pelle et un seau. Et des os. Pour mordre les os, c'est compliqué. Bah, regarde mais... si ça peut t'intéresser. Le... Moi perso, non, mais on prend de toute façon. Ouais, on prend. Je mets tout ça dans le coffre, moi, tous les équipements. Je me dis si on change de perso quoi, ça peut être intéressant. Bon, on va se reposer. Bah écoute, moi je propose qu'on aille se reposer, qu'on aille voir un petit peu après. Ah bah tiens, on n'a pas été chercher le type aux champignons. Il est où? Là, ici, on revient dans le camp de Nir. C'est vraiment très joli, les champis bleus comme ça, là. Ouais, les tréfonds, ils sont beaux. Je suis content, ça change un petit peu. Bah écoute, on va se positionner pour le type aux champignons. Ouais. Et ensuite, on ira se reposer vite fait au camp. Faire un petit repos. On fait la quête du champignon. Et à mon avis, la prochaine fois, on fera bah, l'autre endroit où on était. Cache thoracique, il y a quoi dans la cache thoracique? Des os. Friquin. Ouais, parfois, il y a de l'or. Il n'y a rien, c'est vide, évidemment. Si je dis pas de bêtises... Ah, mais on était monté là-dessus. Non, on n'était pas monté. Et si on en vient de là? On en vient d'ici? On en vient, c'est là d'où on vient en fait. Ah oui, si, mais si, c'était par là qu'il fallait aller. Juste. Tu vois, ici on peut descendre. Et hop, on arrive genre nouvelle zone. Donc avant d'aller plus loin, moi je vais au camp. Et juste Mewen me rejoindre. Et on va direct. En plus, le camp il est beau. Je ferai les équipements une prochaine fois. Là, on commence vraiment à avoir trop d'équipements, mais je le ferai. Juste les parchemins, moi, que je donne. Ça manque un truc pour trier, quand même, non? À Gale. Ah, faut trier soi-même. Il y a pas un truc pour trier, genre trier par. Si, si, tu peux par récent, par. Bah, non, mais ça reste pas. Moi, je vois pas du tout comment je peux faire ça. Voilà, track, mais ouais. Comment je peux trier? Trier par assis. Ah, armure légère, ça peut t'intéresser, ça. Ah, bah si, voilà. En plus, il est trop beau, regarde. L'ombre de Menzo Berazan. Vous percevez les ombres qui couvrent ce capuchon de Ro, attendant impatiemment de pouvoir vous enlever et vous cacher. Vous et votre... Tu veux tester? C'est léger. C'est léger, tu verras, c'est agréable, c'est doux. Comment tu dis ça? Non mais regarde, en plus il est beau, à mon avis, il tira bien. Attends, parce que là, je suis en ours. Ah mais attends, faut que je me retire de l'ours. Le mois d'ours? C'était nul. C'était très nul, ouais, mais c'est pas grave. Écoutez, on a l'habitude avec moi. Ah, c'est vrai que c'est joli, mais... Et ça fait quoi? T'as un sort dans mon tata? Je vais peut-être le laisser, en fait, parce que c'est quand même assez joli, finalement. Ouais, et t'as un truc avec ça. Je sais pas si c'est un sort, si c'est un passif. Mais regarde, il te donne quelque linceul chose, là. D'ombre. Ouais. Je sais pas trop ce que ça, tu peux ouais. faire. De tour, l'invisibilité de ce disciple dès que vous attaquez. Ah, ok, c'est un truc d'invisibilité, en fait.
Excellent. Attends, t'as quoi? Ça rend invisible. Ouais, mais à quand? Bah, ça, pendant deux tours. Ouais, mais... Ah, c'est un sort d'invisibilité. Et c'est super pratique, ça. Ouais, c'est trop bien. Bon, je te vois quand même vachement. Hein. Je brille un peu. Alors, attends, parce que ici, il faut que je fasse... Concentration. Voilà, si je fais ça, il y en a qui veulent me parler. Non, donc je vais me coucher. Sélection automatique, 40 sur 40. Repos total. Et puis on va aller voir Bailen. Repos Joe total. Bailen. Au moins il se passe rien. Pourquoi on brille la nuit là encore? Ah. Enfin une nuit, il ne se passe rien quoi. Ouais, j'avoue. Quittons le camp. Une nuit tranquille. Ah, j'attends Maëwen. J'ai cru qu'il allait dire comme d'habitude. Non, je suis pas comme ça, moi. Ah, mais j'ai le chat qui arrête pas de faire des va-et-vient là sur le clavier. N'avance pas plus. Non, ça vas-y. Attention. Tu fais quoi, toi? Pourquoi l'incantation, elle est bloquée? Ah oui, mais on est bloqué, on a encore le champ de l'anti-magie. Attends, moi j'ai pas... Comment on fait pour l'avoir pour... Attends, Gale, il a pas. Ah mince, attends, parce que Karlak, elle m'a pas suivi. Ah... Bah oui, parce que j'ai changé de... J'étais pas groupé. Attends, j'arrive. Ah, regarde, de toute façon. Fais rien, parce qu'il y a un gnome là-bas. Hein. Ah, merde. Tu l'as buté? Fais gaffe, hein, quand même. Ça ne s'arrête pas. Mais il aurait fallu TP un boss ici. Je crois qu'il est mort. Il est mort ou pas? Oh bah oui. Ça. Je suis désolé. Je croyais bien faire en détruisant les... Non mais il est où? Parce qu'il est peut-être pas mort dans ça. Si, si, non mais il est mort ici, ici, car j'ai ma souris sur son corps là. Attends, parce que j'ai chargé où moi? J'ai chargé au camp. Oh, ok. Oui. Ça va, ça va. Désolé. Alors, on ne s'y est pas tenu, c'est vrai qu'on aurait pu faire une run, ou tant pis. Toutes les actions, même quand tu fais de la merde, tu les acceptes. En vrai, faudrait faire ça. Faudrait, ouais, mais après, moi, je me suis dit aussi, ça reste un jeu. Et donc, vous prenez les actions que vous voulez. Si vous voulez recharger parce que ça ne vous plaît pas votre partie. Bien sûr, mais en vrai, faudrait trop faire ça. Une fois, tu refais. Il y en a qui font. Hein, tu refais le jeu comme ça, quoi. Il y en a qui font des runs comme ça. Ou t'assumes tes choix, quoi. T'assumes tes bêtises. T'assumes d'avoir Maëwen dans ton groupe. Oh, ça va. Je te carie assez pour pouvoir faire ce que je veux, quand même. Qu'est-ce qu'il faut pas entendre, là? C'est pas vrai, peut-être. Bon, attends, ici, tu ne fais rien. Hein. Voilà, voilà. Tu ne touches à rien. Voilà, c'est bon. Gaffe au souffle-feu. Bah oui. Intelligence naturelle, je suis intelligent. Un mushroom that releases dangerous spores. Hautement inflammable, Maëwen, lis ça. Mais je sais, c'est pour ça que j'ai tiré dessus. Vous devez bien pouvoir éviter deux ou trois champignons de rien du tout, non? I know that. Scroll. Escape. My bag, please. Please. I've dropped it somewhere. Faut trouver son sac. Lui montrer un parchemin de foulée brumeuse. Hein? Yes. Force lui lancer le parchemin. Et là, tu touches un champi. Tout explose. Les parchemins, c'est pas donné, vous savez. Je fais quoi? Je lui dis les parchemins, c'est pas donné? On a assez d'argent. Mais c'est tombé, il a donné autre chose que de l'argent. T'as dit quoi, force? Avantage, élixir du colosse. Mais pour faire 10, papa, besoin, là, dépense. Oh. J'ai raté, hein. Oh là là. Oh, t'es sérieux? Heureusement que j'ai l'avantage du colosse, là. Ouais, j'avoue. En vrai, il m'a servi à rien. Mais si. C'est ça qui fait que tu peux tirer deux fois, enfin... Boum! Dans sa tête. Oh, I'm fine. I just have to. And then... Here. Hey.
finally breathe. Speak up. Ah, right. De quoi on parle de rien encore? On parlait de rien. What were you saying? What were you saying? J'ai croisé Derrit. L'inspecteur Derrit, elle vous attend. Need to go. Tenez pour vous, mais si tu veux, on doit même rien demander, il nous donne. J'adore mon personnage, quoi. Il est hyper classe comme ça. Retire ton casque. Non, ça gâche tout. Ça gâche tout. Ah, j'ai eu un parchemin d'invisibilité. Alors, je ne vais pas l'utiliser. Je peux tout faire péter ou pas? Attends, attends, vas-y, maintenant on recule. Ce que je vais faire aussi, c'est que... Tiens. Je le donne à Gale. Regarde si Gale peut la prendre. Ça peut être trop bien s'il peut se rendre invisible avec un sort. Voilà, il y a tellement de parchemins là. Ouais, mais regarde, si l'invisibilité, il peut la prendre. Il peut apprendre plein de sorts, mais pour le moment, on laisse en parchemin. Invisibilité, il est où? Là. Apprendre, sans pièce d'or. Trop bien. Hop là. Comme ça, Gale peut se rendre invisible. Trop bien. Encore que je le fasse. Du coup, je peux tirer? Et l'invisibilité, peut-être qu'on le mettra à la place. Est-ce que ça te paraît plus fort l'invisibilité que les que c'est double? Voilà. Ah, il peut peut-être apprendre vol maintenant qu'il c'est a pris un niveau. C'est parti pour le spectacle. Regarde s'il peut apprendre vol. Je pense qu'il peut apprendre vol. Je voulais regarder ce qui se passe. Bah regarde ce qui se passe, on lui apprend vol après. On a déjà vu ce qui se passait, il y a tout qui crame. Apprendre 150 pièces d'or, bam. Hop là. J'adore. Ça me fait laguer, moi, ton... tu m'étonnes. L'artifice truc, à moindre frais. Bon, là, on attend. Donc, maintenant, on a quand même un guild qui peut se rendre invisible et voler. C'est ouf, hein. C'est trop bien. Bon, attends, on va attendre que tout ça soit... Ouais, parce qu'il y a des trucs à récupérer. Là-bas, il y a un pied de... Ouais, il y a l'air d'avoir des trucs, je suis d'accord. Ça va se dissiper, les trucs ouais, champignons, ouais, là ça se dissipe. Puis j'attends que Mehon elle y aille. Bah oui. Et après on va retourner voir Derrit. Et sera bien, ça aurait été une petite quête là aujourd'hui, on n'a pas fait grand chose mais... C'est quand même bien. Non, ça suffit. Hein. Tu peux avancer là-dessus ou pas? Ah voilà, ça y est. De toute façon il y a encore pas mal à fouiller là ici dans ces tréfonds. Puis on pourra retourner. Là-bas il y a des trucs. Parchemin de foulée brumeuse, mais j'ai bien fait lui donner, là, j'en chope. Deux en plus. Parchemin de... Ah, du fromage. Il y a même pas fondu, ouais, le fromage, dire, il quoi. A même pas fondu, c'est ouf. Oula. Oula, oula là. Qu'est-ce que t'as fait? Bah c'est toi qui as fait des tests ratés. Ah non. Survie ratée, c'est moi aussi, là. T'as raté l'espace des gouffres. Ah oui, l'espace. Comme ça, on peut faire l'élixir de colosse, c'était pratique ça. Bon bah, go. On va où maintenant? Créer des extraits, voilà. On remonte? Attends, je peux faire des potions moi. Potions de guérison. Et des enduits. Bah, là en fait, on va retourner. Voir Derrit parce qu'on a été. C'est par là, hein. Ah ouais, moi je me TP directement. Ah ouais? Bof, j'étais près des champignons. Où est-ce qu'elle était encore, Derrit? C'était le marchand. Ah tiens, elle est là-bas. Ouais, puis je crois que nous, de notre côté, on va essayer de fouiller un peu la zone, en espérant qu'il n'y ait rien de très intéressant. À faire parce qu'il y avait pas mal de choses hein, quand même au niveau de. Ah, mais c'était son mari en fait. Ah, ouais, carrément. His hands are empty as a whole. We'll have to send him back out soon enough. Oh là là. Ouais, c'est un miracle qu'il ait survécu, hein. Ramène-le chez toi. Ok, c'est quoi son boulot? Qu'est-ce que vous faites vraiment ici? Valuable mushroom. We've a shop in Boulder's Gate. The locals go mad for it. Ah, j'en ai vu un en plus, mais il a cramé, je pense. Ah mince. Nothing it can't cure.
Évidemment, la quête, ça va être de choper ça, à mon avis. Ah tiens, j'ai reçu les gants du lâcher-prise de Kushigo. Le porteur inflige un des 4 de points dégâts avec ses attaques de lancer. Et celle qui... Ah bon, on fait jamais ça, nous. C'est quoi? Les attaques de lancer. C'est quand tu lances un objet. Est-ce que non. Ça compte avec les tirs? Non, ça c'est des projectiles. Pas. Ouais. On a énormément de matériel, d'équipement qu'on n'utilise pas et qui nous servent à rien. Je sais pas si t'as remarqué, on a looté, mais... Ouais, mais ils sont pas ouf, c'est pour ça qu'on les met pas. Moi, t'as sert à nourrir plein. Gale. J'ai juste envie... J'étais à la plage, j'étais MTP à la plage, avant qu'on retourne... T'as envie de quoi? En même temps, on va pas forcément... Pourquoi ça marche plus, mon clavier, là? J'ai pas mon F5, attends... Comment je dois faire pour... Ah voilà. J'aimerais bien juste aller voir, tu vois ce qu'on a là-bas sur, sur la droite de la carte. Je suis un peu curieux. Tu vois? Par là. Par là. Ah, où on retourne vite fait à la forge. Pour les armes de maître, on a tout ce qu'il faut. Tu te souviens où c'était? Bah, j'imagine qu'on a le... On va avoir le marqueur de quête, non? Écoutez, on va faire ça. Oula, il y a des gnomes morts, là. Oh! Épée courte de premier sang. Ah merde, elle est meilleure que ma phalaraluve. Attends, parce que moi, je ramasse des champignons ici. Tout droit, il y avait un truc encore. Boucher de Rouglard, de Hargar mort, Myconide. Où ça tu dis? T'étais où? Juste plus loin, il y a aussi des Hargar mort et des Myconides. Et des champignons. Et de la nocturnelle. Oula, t'as fait un... C'est moi qui ai fait. Mais on a obtenu un échec critique sur un test nature. Bah écoute, j'ai quand même chopé de la nocturnelle. Voilà. C'est quoi tous ces morts? Non mais... Off. C'était quoi ça? Qu'est-ce que je me suis fait avoir? Je sais pas. Tiens, arbalète légère qui me donne plus de dégâts que la mienne, comment c'est possible ça? Ah non, 2-12, 2-14. Il y a quoi ici? Il y a rien. Là, ici, il y a un truc là. Pourquoi c'est rouge? On est où? Ah bah non, mais on est retourné au camp. Ouais, bah c'est ce que je voulais faire. Bon, il y a encore toute une partie ici à fouiller. Comment on fait pour aller? Attendez, attendez. On va vite fait faire la forge après. Mais là, je suis curieux. Comment je fais pour aller là? Je suis quand même très curieux. Ah ouais, c'est par ici. Comment c'est impossible d'y aller? T'as accès à la map en dehors de... C'est toi qui as sauvegardé là? Ouais, c'est moi qui ai sauvegardé, okay. Pardon. T'as accès à la map en dehors de... De là où nous sommes, en dehors pas. Des profondeurs, quoi. Je sais pas trop comment on fait. Non. Bah, je sais pas non plus. Je me demande si on. Ah, il y a un trou. Trou. Mais moi, je peux y aller. Ça c'est. Mais ouais, mais à mon avis, c'est une entrée. Ça c'est une autre entrée. Il y a quoi ici? Où est-ce que je suis là, moi? Ah, on s'est tous perdus là. À fond, je sais même pas où t'es et je sais pas où je suis. Ah, moi je sais exactement où c'est, où je suis.
survie ratée. Ah oh, tiens, une pelle. Super. Est-ce qu'elle est ma pelle ? Plein des pelles maintenant. Carotte pourrie, génial. Ouais, on a plein de pelles, sauf que je... Ah, l'inventaire. Et on est qu'au début du jeu encore. Hein. On est encore qu'au début du jeu. Où est-ce qu'elle est ma pelle ? Je la vois pas. Pourtant, j'en ai une, hein, ça je le sais. Allez, là, voilà. Comment ça, trop ? Ah, je suis revenu vraiment à toute l'entrée où il y avait les yeux, là, qui nous lançaient des lasers. Tu peux, je te demande ça, si ça te dérange pas, te TP vers... Enfin, genre le bosquet, machin. Le bosquet ? Ah, oui. Ouais, enfin, sur la map, la première map. Bah, du coup, j'ai... Et juste regarder si tu trouves... Je trouve quoi ? Tu veux quoi ? Donc, dans les marqueurs de quête, si tu vois où est la forge. Forger une arme, terminer l'arme de maître. C'est ici, c'est à côté du village dévasté. Ah bah très bien, bah écoute... J'y suis. Je crois qu'on va y aller. Très moi, il y a toute une zone encore ici. Comment je sais pour y aller, là ? Comment je fais pour aller là, moi ? Ah non, mais c'est pas là que je vais, c'est de l'autre côté. Ah, c'est quoi ça ? Un collier en or. Voilà, j'ai encore le chat sur l'écran, mais c'est pas possible. C'est là la forge, j'y suis. J'y suis, j'y reste. Je crois que c'est là. Ouais, c'est là. Oula, moi j'ai des champignons de feu là. Les torchelles, ça c'est dangereux ça, non ? Ouais, non, touche pas. Je touche pas, mais je peux m'y mettre à côté, non ? Ça, je sais pas. Bah écoute, moi je vais le faire, toi tu regardes un petit peu la forge ? Ah moi j'y suis par contre, est-ce que je dois faire des trucs particuliers ? Bah je ne sais pas. Regarde un petit peu ce qu'ils disent dans le truc de quête. Ah, il faut combiner des objets. Four de fusion, ok. Mais ils disent pas avec quoi ? Alors... C'est moi qui est... La quête. Parce que, ça s'appelle comment ? La forge d'Alamantium ? Non, c'est pas ça ? Non, c'est pas ça. Comment ça la quête ? Les armes de maître. Je crois que c'est ça le mot. C'est quasiment tout en dessous. Non, ça c'est terminé, c'est naze. Quête accomplie, on s'en fout. Ah, terminé l'arme de maître. C'est là. Nous avons l'écorce de Susuro, il ne reste plus qu'à retourner à la forge. Ok. Nous avons découvert des croquis expliquant comment réaliser des armes de maître. Si nous voulons en fabriquer une, il ne nous reste plus qu'à trouver de l'écorce de Susuro. Mais il nous faut les croquis, c'est quoi les croquis ? On avait des croquis ? Bah apparemment, nous avons découvert des croquis. Du coup c'est embêtant. Du coup, qui a des croquis d'armes sur lui ? Je sais pas, ça ressemble à quoi ? Ben, j'en sais rien. Bah écoute, je vais te rejoindre peut-être à la forge. De toute façon, là, je suis arrivé, je sais pas trop ce qu'il y a par là. Je suis en train de regarder un peu les livres, titres de propriété. Attends, tu veux pas l'être plié ? Oh là là, son repulsion qui s'est pris... Tu peux faire de un peu d'ordre dans ton inventaire, là, c'est insupportable. Ah ouais, mais je fais de l'ordre à chaque fois. C'est tellement compliqué de...
de maintenir ça. Si j'ai mis des croquis, c'est peut-être dans la bourse de Gail. Ah, mais en plus, tu mets des trucs dans la bourse, toi. Ah, bah, il faut faire. Justement, je mets de l'ordre. Oula, œuf d'araignée. Cocon d'araignée. Oulala. Bourse d'alchimiste ? Sérieusement ? T'aimes ça là-dedans ? Mais non. Non, dans la bourse de Gail. Mais sa bourse, c'est juste pour se. Il a même pas sa bourse sur lui. Non, moi, dans. Ah, t'as piqué la bourse de Gail. Ouais. Où est sa bourse ? Cocon d'araignée, hein. Toile d'araignée. Voilà. Ah, il y a un coffre verrouillé ici. Avec des œufs d'araignée. Ah, j'ai un moule à cimeter dans ta forge. Dans ton inventaire, pardon. Moule à cimeter, ça m'étonnerait. Ah bah, je suis dessus. Ouais, mais je l'ai looté après la quête, ce truc-là. Ah. Par contre, je sais pas où est la bourse de Gail. Hein. Fais un peu de place dans ton inventaire, je comprends rien. On peut essayer. Oula. Attends, parce que moi, je prends mes outils. Ouais, c'est vraiment le bordel, cet inventaire. Voilà. Au moins, tri par ce que c'est, par type. Outils de voleur. Utilisé parce que j'ai voleur. Alors, il est tout content. Parce que j'ai un coffre ici. Attendez, je vais essayer de faire le coffre. Après, je rejoins Mewen. Je sais pas du tout, ça peut être le truc de maître. Là. Bah déjà, faut mettre du susurro. En gros, quand tu cliques dessus, t'as... Mais non, bah, c'est pas possible. Genre, tu peux mettre qu'un truc. Bah, c'est le... L'écorce ? T'as quoi comme autre truc ? Attends, je vais t'alfaner de susurro. Où est l'écorce ? Bon, je rejoins Mewen. T'es au village abandonné ? Coquillages et crustacés, ouais. Tout à fait. Village dévasté, pardon. Wow. Le bruit, là. Ah. Ça. Combiné. Ah, attends, je peux faire F5 avant. Ouais, clairement. Donc Mewen va essayer de... Tu l'as fait F5 ? Et c'est avec quoi ? Donc t'as susurro et quoi d'autre ? Et juste du feu. Donc ça va pas. Ça marchera pas. Attends, c'est où Mewen ? Super. Non, ça a rien foutu. Elle a dit quoi ? C'est fou, je vois pas où t'es. Attends, l'écorce est en place, plus qu'à ajouter une épée à deux mains, une faucille ou une dague. Eh ben voilà. Tu veux une épée à deux mains ? Je t'en donne une. Hein. Bah ouais. Je t'enfile une épée à deux mains, moi. C'est quoi ça ? Une faucille ou une dague ? Ouais. Ah, attends, parce que je dis ça, mais ça tombe, elles sont toutes au camp, quoi. J'ai une hache à deux mains. Elle m'a dit une épée à deux mains, une faucille ou une dague. Tiens, là, on a une faucille. Vas-y. Creuse fond, frappe profonde. En cas de coup au but, inflige fracassé à la cible. Bah vas-y, on voit ça. Ou alors j'ai une dague. La faucille, ça peut être marrant, non ? Bah vas-y, essaye. Je l'envoie à Mewen. Ouais. Voilà. Je peux rien faire en fait. Ah. Ah ouais, ok. On a enregistré de toute façon. Hein. Ouais. Ah, marche pas. Ça marche pas. Envoie-moi une dague. Tu l'as envoyé ? La dague, elle est là. Envoyée à Mewen. On a sauvegardé avant. Marche pas. Envoie-moi un truc qui n'a pas de pouvoir déjà. Une dague à la con. J'en ai vu une dans les inventaires. T'es sûr ? Ouais. Pas chez moi en tout cas. Écoute. Ah, ici, attends, voilà. Dague. Envoyée à Mewen, c'est fait. T'as peut-être raison, peut-être qu'on peut pas. Attends, j'ai aussi une épée à deux mains. Ah là. Voilà, c'est fait.
Le fourneau ardent attend une offrande. Ah oui, bah écoute. On voit parce que ça nous donne une dague. Je te j'envoie une épée longue après. Hein. Ah, je suis classe comme ça. Ouais, c'est trop bien. Ce qu'on fera après, c'est que si c'est une dague magique que ça nous donne, on recommence. Et je te mets une épée à deux mains. Ça fait quoi? Ça a donné quoi? Oh, c'est pas ouf, hein. Je vais te filer une épée, comme ça je peux la récupérer. Hein. Bah, mais c'est pas ouf, en vrai. Hein. Comment ça, c'est pas ouf? Ça faisait quoi? Bah, ça a juste mis un dégât plus 1. Ça avait pas l'air ouf, mais on va essayer avec l'épée. Super, les armes de maître. Je m'attendais à un truc un peu épique. Putain, moi, je m'attends à un truc légendaire ouais, qui pareil. Me permet de rouler sur le jeu. Mais moi, c'est ce que j'ai depuis le début. On a plein d'équipements et il n'y a rien qui m'intéresse pour le moment. Bon, tiens, je te file une épée. Donc déjà, ok. J'ai transformé la forge. T'es où, en fait? Tu peux me montrer sur la carte, si, parce que je te vois pas. Le village des gobelins, le premier village. Ouais, mais c'est là. Et ensuite? Et ensuite, dans une maison. Il y avait une maison, t'as la quête, en fait, qui est... Ouais, mais moi, je l'ai pas, justement. Non, non, descends. Reviens derrière. Bah, descendre là. Non. Si. Non. Ouais, je suis pas sûr. Non. Remonte. Vas-y, je te guide. Vas-y, à droite. Tout droit, voilà. Non. Voilà. À droite. Rentre dans la maison, là. Gauche. Ah, j'ai la quête. Voilà. Bon, allez. Un peu de sérieux. T'es là. Comme ça, je peux t'écouter. Alors. Quel enfer, ce jeu. Quel enfer. Il est beau, le feu. Épée longue, c'est ça? Bah ouais, épée longue, on va tester, j'espère que ça marche. Il faut vraiment une épée à deux mains. Attends, parce que ça, malheureusement, c'est toi qui vas devoir aller chercher. Ouais. Ah, je crois qu'elles sont au camp, mais dans ton coffre. J'ai une hache à deux mains. Ça marche pas. La hache à deux mains? Bah c'est marqué épée longue, épée à deux mains ou dague. Ouais, mais tiens, essaye avec la hache à deux mains. Mais trop tard, je suis au camp, là. Normalement, dans le coffre... C'est lequel, le camp, déjà? Le coffre. Dans ton coffre, normalement, il y a le truc avec toutes les armes. Comment je sais que c'est mon coffre, là? C'est le vert, le tien. L'autre, tu peux pas l'ouvrir. Le vert? C'est un peu dommage. Il y a deux gros coffres, là. T'as le vert. Bah, il est où, le vert? Bah, peut-être t'en as qu'un, parce que je suis pas au camp. Essaye d'ouvrir celui-là. Bah, j'ai déjà essayé, ça marche pas. Bah, c'est que t'as un deuxième coffre, quelque part. Oh, quel enfer. Ouais, les coffres, c'est un peu... Bah, y'a pas de coffre, hein. Mal en bois. Y'en a un, là. Ah, y'a une faucille. Tu veux une faucille? Bah, écoute, prends-la toujours, parce que ça peut être bien. Mais y'a d'office un autre coffre, quelque part. Avec toutes les armes, tous les trucs. Où est-ce qu'il est? C'est quoi ce camp? C'est chelou, hein. Attends, mais il y a moyen de monter, non? C'est bizarre, il n'y a qu'un coffre. Bah ouais. J'ai bien vu. Et c'est pas celui-là. Bon bah écoute, j'ai une faucille. Non mais attends, quitter le camp. Comment ça se fait qu'on n'a qu'un seul... Attends, moi je vais aller dehors. J'essaie avec la faucille. Attends, F5. On va essayer avec... Écoutez, on va tout essayer. Après, on va aller rechercher. Ah, ça a marché. On verra si elle est bien. Ce qui est vraiment bien fait, c'est que t'as vraiment de l'animation et t'as la vraie arme. Tu vois, si tu jettes une faucille, ça se voit que tu jettes une faucille, etc. C'est vraiment foutu. The sickle is yours for the taking. Très bien. Ouais, donc tu vois, c'est pareil en fait. En gros, c'est bon, pas dingue. Bah, c'est pas grave, on va quand même tester. Mais t'es sûr? Là, ici, j'ai les deux coffres. Là. Tu peux encore le faire ou pas, par exemple, là, si tu prends le. Réduit le... les cibles au silence en cas de coup au but. 1 des 4 plus 1. Tranchant. Bah, c'est bien. Bah, 2, 5.
Ouais, mais c'est parce que t'as pas les trucs. Est-ce que tu peux refaire une arme là si jamais tu utilises le feu? Non. Ok, donc ce qu'on va faire, c'est dernier, garde, on gardera la faucille sur toi. On va tester une dernière fois. Épée à deux mains. Tu en as une? Ben en fait, il faut sortir pour avoir les deux coffres. Bizarrement. On essaye ça, dernière chose, comme ça on aura fait nos armes de maître. Faucille. Le problème, c'est que la faucille, il n'y a personne qui utilise. La dague non plus. Bah oui. L'épée à deux mains, par contre, ça ouais. Donc tu viens, sors avec moi. Very well. Very well. Sors avec moi. Je sais pas pourquoi, peut-être parce qu'on est dans un petit truc. Je sais pas. Peut-être, hein. Et là, on peut sortir sur le camp. Et t'auras accès à ton coffre. Ça, c'est un truc que je trouve dommage. C'est que donc, c'est ma partie. Et en fait, quand je suis tout seul, j'ai rangé les coffres et j'ai tout mis dans le coffre vert. Mais je peux pas l'ouvrir parce que c'est celui de Mewen. Mais j'ai tout mis dedans, quoi. Donc, c'est dans lequel? C'est dans un. Tu dois ouvrir un des coffres qui, est, qui a du, des trucs dedans. Il y a un coffre à vêtements qui a des. Là, il y a tout. Et normalement, tu devrais trouver une arme à deux mains non enchantée, non? Bah, il y a que des armes enchantées. Dague. J'ai une épée à deux mains, là, mais elle est enchantée, donc à mon avis, ça marchera pas. Ok, alors ça fait rien, ça fait rien. Je peux quand même retourner... la prendre, mais à mon avis, ça marchera pas. C'est pas grave. Retourne à la forge. Je vais aller vite fait acheter une épée à deux mains. T'as raison. Ouais. De toute façon, si ça marche pas, on a sauvegardé, on fera la faucille. En soi... C'est sûr qu'il y en a partout des épées à deux mains, en plus, par terre et tout, on en a trouvé plein. Ah ouais, mais on a probablement plein, mais moi j'ai tout vendu. Au final, je vais juste racheter une qu'on a vendue. On aura mis finalement une heure pour faire nos armes. J'avoue. C'est pour ça que c'est long le jeu aussi. Plus moi, il se traîne, regarde ça comme il est lent. Comme il est lent. Ouais, bah allez. Alors, les vendeurs remettent à jour leur inventaire. Ah ouais? Ouais. Oh, argent bien. Et équipement et autres. Excellent. Ouais. Donc, on peut toujours venir vendre, en fait, aux vendeurs. Oh, s'ils ont plus de sous parce qu'on a tout vendu, bah, c'est pas grave, vous revenez, je crois, probablement après un long repos. Donc, on a dit quoi? Épée à deux mains? C'est sûr que c'est celle que j'ai vendue, ça. Épée courte. Épée courte, ça doit être ça. En dessous, en dessous. Épée en dessous. Longue, non? Voilà. Épée à deux mains, 6-19. En plus, elle fait plus de dégâts que mon truc, quoi. C'est normal, parce que moi, j'ai une épée à une main. Donc, ça coûte combien? 124 pièces d'or, c'est pas grave, on est combien? On a 7000. Ah, ça va être pénible. Quantité, j'ai dit combien? 124? L'intérêt est bien. Hein. Non, on a vu, elle va être pour ce prix-là. Ouais, je l'envoie vite fait à Mewen. Hop, F5. T'as une faucille, toi, de toute façon. Là. Écoutez, on regarde ce que ça donne. On s'arrêtera probablement là-dessus. Hop là, on sort l'épée à une main. À deux mains, pardon. C'est vraiment bien fait. Il faut juste plus de susurros. Si on avait plus de susurros, c'était bon. Bah, je sais pas. Ça me dit rien après. Ah, les armes de maître, quoi. Je reviendrai. Hein. Bon, alors. 3-13. Bon, pour moi. Attends, vas-y, je te l'envoie parce qu'à mon avis, moi. Hop là, sombre pollution. Alors. 7-20. C'est quand même pas mal, hein. Et réduit les cibles au silence. En 4 coups. Silence, c'est bien, c'est-à-dire que les mages ne peuvent plus faire ouais, de sort. C'est pour ça que c'est cool. Mais je préfère celle que j'ai quand même. Ah, super. Et tu vois, je pourrais la donner à Karlak. Mais quel est le problème? C'est qu'en fait, Karlak, je lui ai mis une arme qui est moins forte que ça. Ah non, ça fait plus ou moins les mêmes dégâts. Mais surtout, le maillet de Karlak, ce que j'aime bien, c'est qu'il a ténacité. C'est-à-dire que quand je rate mon attaque,
ça inflige tout de même des points de dégâts. Et ici, ils disent 3 points de dégâts, mais j'arrive souvent ténacité, à 10-14, quoi. Pas ténacité. Ténacité. Ténacité, c'est pareil. Donc, ouais. C'est pas grave. Écoutez, ça fait une très belle épée à deux mains en susurro voilà. Qui ira dans le coffre. Magnifique. Mais c'est pour nourrir Gale. Tout à fait. Donc, voilà. Bah, en fait, on a pas fait grand-chose. On a fait le bailen aux champignons et les armes de maître. Non, écoutez, on a quand même fait la bulette, là. Ouais, non, c'était bien. C'était cool. Donc, ce qu'on fera maintenant la prochaine fois, c'est. Moi, j'irai parler un petit peu avec les champignons. Voir s'il n'y a pas des quêtes qui se donnent. Et la prochaine fois, on ira faire. Là où on avait tué Nir, il y avait pas mal de choses à faire. Dans les tréfonds. Et après, je crois que ça finira plus ou moins à les tréfonds. Toute la zone qu'on doit faire là-bas. Et après, il restera la colline. La colline ? Ouais, là où on ne pouvait pas aller au début, la colline. Regarde. Le col de la montagne. Qu'est-ce qu'elle fait ? Oh là là. Tu pourrais aller me récupérer mon élastique après, s'il te plaît ? Les tréfonds, oula, sont un labyrinthe. Ah, tu vois, les tours de haute lune. Il faut trouver les tours de haute lune. Mais il y avait le... Ah oui, attendez, faut pas qu'on oublie. Attendez, parce que le chat, il va arrêter la vidéo. Je sens qu'il va arrêter la vidéo, là, il est sur la tablette. Ok, c'est bon. Il y avait l'élévateur que tu pouvais pas utiliser, oui. Qu'il faudra de le faire. Et la zone. Il y a encore pas mal de choses qu'on fera la prochaine fois, en tout cas. C'était très calme aujourd'hui, mais on avance un petit peu lentement, mais sûrement. Des chouettes combats, hein. Des chouettes combats, ouais, on a pris de l'XP. On en est où, tiens, niveau XP? Si on regarde, on est pratiquement niveau 6. Donc, à mon avis, vu ce qui reste à faire, on sera niveau 6 pour la 2. Très, très bien. Ça a été plus vite pour le moment le niveau 5 que le niveau 4. Bah ouais. Bizarrement, comme quoi. On a fait plus de combats. C'est mieux défendu. Bon, on a tué ce spectateur, on a fait plein de trucs. Hein. C'est vrai, c'est pas faux. Bon, nous, on va s'arrêter là parce que là, le chat, il est en train de. de faire oh, plein de choses. Voilà, il est en train de chercher mon élastique. Ah, il a fait lui qui Donc voilà, hey donc, on vous dit. à très bientôt pour la suite de Baldur's Gate 3. À très bientôt. Des bisous.